Les étoiles. Elles sont un décor si familier de notre vie quotidienne qu'il est facile d'en oublier ce qu'elles représentent. Celle-ci, ce petit point ici, c'est Bremen. Celle-ci à cet endroit, c'est Sol. Pensez à ça. Juste une poignée de petits points représente l'ampleur de l'expansion humaine. Dans une autre poignée, vous avez les Banu, les Djan et même les systèmes Vandoul. C'est tout ce que nous avons toujours connu. Chaque pièce d'arbre, chaque vie, juste ici. En deux poignées de petits points. Ce qui veut dire qu'il nous reste tellement plus à découvrir. Derrière chacun de ces petits points de lumière, une histoire attendant d'être découverte. Par le passé, c'était la prérogative du gouvernement d'explorer et de comprendre les confins de l'espace. Un lancement coûtait trop de ressources et d'argent, même pour les plus grandes entreprises. Mais alors, RSI lança le Zeus. Et soudain, n'importe qui put explorer notre système solaire, permettant la découverte d'une quantité nouvelle de savoir. Quand Nick Kroeschow découvrit le premier point de saut, le scanner modifié qui lui a permis était inabordable pour le marché civil. Mais quand cette technologie fut perfectionnée et ouverte au public, que se passa-t-il? Exactement, une ère entière d'expansion qui nous a mené de ça à ça. Cela a toujours été le cas. Regardez les grandes périodes de l'histoire humaine. Quand une innovation met la technologie dans les mains du peuple, cela annonce de grandes découvertes. Car le pouvoir dans les mains de tous surpassera toujours le pouvoir de quelques-uns. Alors que nous pouvons découvrir de nouveaux points de saut et systèmes, il reste toujours un obstacle. Que faire quand on découvre une nouvelle planète? Parce qu'actuellement, seules les plus grosses corporations peuvent terraformer et établir des colonies. Du calme. Nous n'avons pas simplifié la terraformation. Pas encore. Je suis ici pour vous annoncer quelque chose de tout aussi excitant. Albert Einstein, l'homme qui a redéfini la compréhension humaine de l'univers, il a dit une fois: la personne qui suit la foule n'ira généralement pas plus loin que la foule, mais celle qui marche seule aura plus de chances de se trouver à un endroit que personne n'a vu auparavant. Une déclaration qui doit inspirer les savants, les créateurs, à repousser les limites de leur savoir. C'était pourtant 1000 ans avant que l'humanité n'abandonne sa planète natale. Il devait donc parler métaphoriquement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, l'inconnu est là-bas, attendant d'être découvert. Mais ceux voulant découvrir ces lieux que personne n'a encore jamais vus doivent faire face à un défi colossal. Que faire quand vous y arrivez? Jusqu'ici, c'était le domaine des gouvernements et corporations d'ouvrir la voie à une colonisation durable. Le pouvoir était dans les mains de quelques-uns. Et si je vous offrais à vous la capacité de construire vos propres colonies, d'amener la civilisation jusqu'aux frontières les plus inviolées? Un vaisseau colonie au vrai sens du terme. Et je ne parle pas que de transporter des gens, non. Je parle d'une solution tout en un, conçue pour créer des structures modulaires répondant à vos besoins. Capable de construire une ferme, un habitat, un comptoir commercial, voire une opération minière. Je veux dire, ce serait dingue, non? Laissez-moi vous présenter le Pioneer. Pioneer. Avec ça, que le nouvel âge de la colonisation commence.